Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'août 2021. Donc le prochain signe sera les lions ascendants et signes lunaires en lion. On va voir quels sont les messages tout de suite ici pour vous. Donc on va commencer avec une carte de l'oracle de Gaïa. On va voir l'énergie qui va vous accompagner pour le mois d'août pour les lions. Le signe de ma mamie. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a la purification, donc le feu, qui vous parle de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité. Alors déjà, le message qu'on vous donne ici, c'est de prendre, de recevoir plutôt l'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc c'est l'énergie de feu qui ressort ici. Donc il peut y avoir beaucoup de désirs, une envie d'entreprendre, une envie de commencer de nouveaux projets, mais surtout vous allez vraiment vous satisfaire de chaque chose que vous avez. Donc si vous sentez que vous avez, en fait ici c'est vraiment le fait que vous allez vous satisfaire des petites choses du quotidien et ne pas avoir envie de grandes choses, mais vraiment de vous satisfaire de chaque chose que vous pouvez ressentir. Donc c'est une énergie importante dans le sens où vous prenez conscience de l'instant présent et de ce que vous recevez à chaque moment. Alors, on va voir avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages ici pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages? On a le puits et on a la boussole. Le puits et la boussole. Donc là, vous êtes en recherche intérieure, mais le puits, ça va être aussi de l'approfondissement, ça va être vraiment plongé à l'intérieur de soi. Ça peut être le fait que vous vous isolez aussi, alors attention à ne pas trop vous isoler. Et on vous dit aussi avec la boussole que vous allez être guidé. Donc vous allez pouvoir vraiment être conseillé peut-être par rapport à ce que vous traversez et vous sentir guidé. Alors je pense que c'est des messages très subtils. Ça peut être des messages de l'univers justement qui vous conseillent, qui vous guident et qui vous apportent de l'approfondissement. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies? Qu'est-ce qui ressort? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ici, on a l'encre avec le cœur. Donc ici, on peut parler d'attachement au niveau amoureux. Donc ça peut être un lien très important. Ça peut être une relation qui se concrétise. Ça peut aussi parler d'un projet de cœur qui va se concrétiser pour vous. Mais on sent ici vraiment de la sérénité. Vous êtes en phase de guérison avec l'arbre et le cercueil ici. Vous êtes en phase de guérison dans une relation. Donc, il se peut qu'au niveau relationnel, vous ayez clôturé quelque chose ou vous avez senti une étape de transition, justement, et que là, au niveau, justement, amoureux, vous vous sentez accompli. Donc, ici, c'est vraiment le fait de vivre le moment présent et de rester sur quelque chose qui est ancré. Vous allez vous vraiment ancrer une situation et vous sentir bien. Alors, on a le stress quand même avec les souris. Donc, peut-être que vous vous sentez stressé. Peut-être que vous vivez une situation qui vous prend de l'énergie, qui vous fatigue, qui énergétiquement est trop prenant pour vous. Donc, vous avez l'impression de vivre quelque chose qui est trop stressant et vous avez envie de vous ancrer. Vous avez envie d'accueillir l'instant présent et de ne plus vous prendre la tête avec quelque chose de trop, trop stressant pour vous. Donc, je pense qu'il y a un réel désir de se connecter à la nature, de passer des moments sereins et de vivre des situations pleinement épanouissantes pour vous. Mais en tout cas, un désir de stabilité, un désir d'ancrage. On a les nuages, donc les nuages qui vont parler peut-être de confusion ici. Ça peut être une situation assez trouble, ça peut être le fait que vous cherchez à trouver la lumière dans quelque chose et vous suivez justement votre intuition pour rétablir le calme. C'est un peu le calme après la tempête que je ressens ici. C'est un petit peu comme s'il y avait eu quelque chose de très trouble et de très stressant et que vous retrouvez de la lumière, que vous accomplissez ici dans une situation. On a les oiseaux qui vont parler ici de communication, d'échange.
Alors, il y a eu quelque chose de trouble par rapport à des discussions. Peut-être que les échanges en ce moment que vous avez sont trop troubles, justement, que vous n'arrivez pas à vous comprendre avec une personne, ou bien que vous n'arrivez pas à communiquer, que vous avez l'impression d'être pris dans une situation stressante et que les échanges sont justement trop confus, comme si vous n'arriviez pas à approfondir des discussions, des échanges. Et ça vous stresse. On a les poissons. Donc les poissons qui vont parler ici d'indépendance. C'est aussi une carte qui va montrer que vous entreprenez, vous mettez des projets en place. Et ça va également nous montrer ici que vous avez un esprit très indépendant pour ce mois d'août. Vous avez envie de créer, vous avez envie de vous accomplir dans une situation et de sortir justement du stress. Peut-être que c'est un projet indépendant qui vous stresse aussi. Peut-être que ce sont des discussions que vous avez concernant un projet indépendant et ça vous stresse, ça vous met dans une situation inconfortable. Ensuite, on a le bouquet. Donc le bouquet avec les poissons, ça va être une proposition. Ça peut être quelque chose justement d'indépendant qui vous épanouit. Mais le bouquet, ça va être aussi un accomplissement. C'est quelque chose en tout cas qui va être inattendu pour vous, qui va vous faire plaisir dans le sens où vous allez vous réaliser et vous allez surtout ancrer une situation indépendante. Donc on va voir, mais je pense que c'est quelque chose qui peut concerner soit un travail indépendant, soit une activité. En tout cas, c'est indépendant, ça c'est sûr, et vous allez ressentir, vous allez avoir des surprises par rapport à cela, de l'inattendu, et vraiment pouvoir suivre vos intuitions par rapport à ce projet. Ensuite, on a le serpent. Alors attention, parce que là, ça peut être des communications où il y a de la jalousie, ou ça peut être des communications avec des fausses promesses aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous, vous dire certaines choses, mais ce sera à l'opposé de ce que cette personne ressent. Donc attention aux manipulations, attention aux choses qui peuvent être un petit peu cachées et aux discussions qui ne sont pas claires. Je pense que c'est un message de prudence qu'on vous donne, dans le sens où vous recevez des réponses, mais soyez quand même sur vos gardes par rapport à ce mois, ce que vous allez vivre, et surtout concernant quelque chose qui, pour lequel vous sentez, pour moi en tout cas, vous le ressentez. Vous avez déjà des ressentis par rapport à cela et vous avez des doutes par rapport à une situation. Donc faites confiance à vos intuitions. On a aussi le puits. Alors le puits avec le serpent, ça va être des recherches intérieures, ça va être aussi des approfondissements. Et le fait de passer par différentes étapes et d'être dans une étape de transformation. Donc là, on va nous montrer aussi que vous cherchez des réponses à l'intérieur de vous, alors justement concernant ce projet indépendant, mais vous vous sentez stressé et vous passez par cette étape de transformation où vous cherchez des réponses en vous et vous avez envie de sortir du stress. C'est vraiment ça qui vous prend votre énergie. C'est peut-être de l'anxiété, des questionnements que vous avez et ça vous mine, vraiment intérieurement ça vous mine. Ensuite on a le cavalier, donc le cavalier avec le puits, ça va être quand même aussi une notion d'avoir des nouvelles, d'avoir des réponses. Je pense que c'est une proposition qui vient vers vous, encore une fois ça touche tout ce qui est indépendant, une proposition qui vient vers vous inattendue et pour laquelle vous vous questionnez, pour laquelle vous avez des doutes et des questionnements à l'intérieur de vous. Alors, il y a une situation imprévue, il y a de l'inattendu, il y a une situation imprévue, justement. Il y a des discussions totalement inattendues qui arrivent à vous et certainement quelqu'un qui vient vers vous. Et là, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Je pense qu'il y a une personne qui va venir vers vous et que vous ne vous attendiez pas du tout à la visite de cette personne ou à cette proposition. C'est vraiment quelque chose qui tombe du ciel, et qui, pour l'expression ici, et qui arrive à vous et qui est très bénéfique. Mais attention, parce que je pense que cette proposition peut être un petit peu trompeuse, dans le sens où on a quand même les oiseaux avec le serpent, donc ça peut être une proposition qui cache quelque chose. Vous voyez, le message quand même est assez fort ici. Et on a les chemins, donc les chemins qui vont nous indiquer un choix, une décision que vous allez prendre. Je reviens juste sur ça 2 minutes, mais ça peut être une promesse qui est trop belle. Ça peut être une promesse qui est trop... c'est trop beau pour être vrai. Ça peut être ça. Et donc j'en étais où? J'en étais à un choix, à une décision ici. Vous prenez une décision qui est concrète et c'est par rapport à des discussions que vous avez eues, des discussions qui vont mettre en lumière une situation et vous allez pouvoir clarifier certaines choses. En tout cas, vous prenez une direction ici. Et on a l'énergie masculine, donc l'homme.
l'énergie sensuelle. Donc ça peut être en rapport avec un homme, ça peut être un homme qui vient vers vous, un homme très charismatique, très sensuel, quelqu'un qui a beaucoup de charme. Mais attention quand même à cette énergie, parce que ici on parle vraiment de ça, on parle de quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Donc vous allez avoir des ressentis, vous allez ressentir les choses et vous allez prendre des décisions par rapport à cette personne. Et beaucoup de messages vont venir dans vos intuitions. Donc soyez vraiment à l'écoute de ça et vous allez pouvoir mettre de la lumière sur une situation, des propositions inattendues qui arrivent à vous. Il y a plusieurs propositions. Pour moi, on nous parle de plusieurs situations. On nous parle d'une proposition, on nous parle de quelqu'un qui vient vers vous sur le plan amoureux. Donc quelqu'un de très romantique, de très galant. Mais attention à cette énergie parce que ici, ça peut être des fausses promesses. Mais aussi, on a des propositions qui arrivent à vous par rapport à ce projet indépendant qui vous stresse. Et là, je pense que c'est quand même bénéfique et que vous ressentez les choses. Donc pour moi, il y a plusieurs situations différentes. Donc soyez aussi à l'écoute de ce que vous ressentez vous par rapport à ces situations. Et on a le Verseau. Donc la proposition qui vient vers vous peut être une proposition de l'étranger. Ça peut concerner tout ce qui est touristique. Ça peut être aussi tout ce qui vient de loin. Peut-être que vous allez avoir des messages par rapport à l'indépendance. Et là, vous allez pouvoir discuter. Vous allez faire de belles rencontres par rapport justement à ce projet. Donc c'est un mois chargé. C'est un mois vraiment où vous vivez plein de situations en même temps, dans le même mois. Donc un mois très chargé. On va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages aussi pour vous, pour les lions? Oups là, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les lions? On a la tempérance, ça c'est ici, si vous l'entendez. Et on a le diable. Donc de la modération. De la modération qui peut concerner une addiction. Alors peut-être que vous vous sentez addict face à une situation, que ce soit une substance, que ce soit une relation, que ce soit une situation du passé, vous avez le sentiment de devoir un peu modérer les choses, tempérer une situation pour que ça prenne le moins de place dans votre vie, dans votre esprit. C'est quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. On va regarder par rapport à quoi. Alors pour certaines personnes, ça va concerner une emprise affective. Pour certaines personnes, vous vous sentez dépendant, peut-être au niveau amoureux, au niveau affectif. Vous avez l'impression d'avoir vécu des situations injustes et d'avoir été pris au piège dans certaines situations. Donc soyez attentifs par rapport à cela parce que ça peut concerner l'affection, l'amour et ça vous touche émotionnellement. Soyez attentifs par rapport à ce que vous ressentez. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot. Qu'est-ce qui ressort? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le valet de bâton, des révélations. Des révélations pour pouvoir commencer un nouveau projet. Des révélations également pour pouvoir se lancer. Donc, vraiment, il y a des déclics importants pour pouvoir concrétiser un projet dans lequel vous avez donné beaucoup d'efforts et on sent que vous êtes prêt à entamer quelque chose de nouveau. Alors professionnellement, effectivement, ça peut être une activité indépendante. Il y a beaucoup d'indépendance qui ressort dans le sens peut-être que vous vous mettez à votre compte, peut-être que vous démarrez une activité qui justement va apporter des déclics dans votre vie, mais c'est positif dans le sens où ça vous aide à vous accomplir. Alors on a l'amour avec les amoureux, on a le valet d'épée. On a le 4 de bâton, le 10 de bâton, l'as de coupe et le 5 d'épée. On a une notion de combat, alors pas au sens propre du terme, mais ici vous vous battez pour quelque chose. Vous partez en quête de quelque chose, vous avez envie de réaliser quelque chose, mais c'est comme un combat, c'est comme un défi pour vous. C'est comme quelque chose qui émotionnellement est très complexe. Et on a quand même cette as de coupe, et l'as de coupe c'est l'amour, c'est l'épanouissement, c'est les sentiments. Donc ici vous combattez quelque chose et vous avez envie de vous accomplir, mais c'est dans votre esprit qu'il y a quelque chose qui vous surcharge ou il y a quelque chose qui vous oppresse intérieurement et vous êtes face à un combat intérieur. Alors pour moi ça peut toucher une situation quand même où vous avez des réponses, où vous avez donné beaucoup d'efforts, vous êtes battu face à quelque chose, donc encore une fois au sens symbolique.
Et ici, vous avez envie de construire. Donc, c'est au niveau affectif. Vous avez envie de construire votre foyer. Vous avez envie de stabiliser une relation amoureuse. Mais vous portez un poids. Vous avez l'impression de vivre quelque chose qui est en décalage avec ce que vous souhaitez ou qui n'est pas totalement aligné. Donc, vous essayez de dépasser justement cette situation bien particulière et de construire quelque chose qui va vous aider à vous ancrer. Mais il y a quand même beaucoup cette notion de combat. Vous voyez, c'est comme si c'était pas, les choses ne sont pas à leur place. Les situations émotionnellement que vous vivez sont en total, ne sont pas en adéquation avec ce que vous souhaitez pour du long terme. Donc c'est assez complexe quand même, dans le sens où cette notion de combat, elle prend beaucoup de place dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez. Alors, on va voir avec cet oracle au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qui ressort? On a la déclaration et on a les parents. Alors, ici, ça peut concerner aussi l'affectif, mais ça peut être vos parents qui vous annoncent quelque chose. Alors là, il y a beaucoup d'amour, donc ça peut être vraiment une concrétisation justement avec des proches. Mais ce que je ressens aussi quand même, c'est la concrétisation d'une relation. Donc ça peut être l'annonce, peut-être une annonce de mariage à des proches. Ça peut être vraiment le fait que vous annoncez la concrétisation de votre relation et il y a beaucoup d'amour autour de vous. Il y a beaucoup de sentiments, donc vous allez vraiment vous engager dans quelque chose de très stable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? On va regarder. On a le temps, le féminin, le piment. Alors, ici, on peut parler de tentation. Peut-être que vous avez des envies, des désirs qui ne sont pas forcément alignés avec ce que vous souhaitez pour du long terme. Vous avez envie de prendre votre temps au niveau affectif. Vous avez envie de prendre votre temps, de ne pas précipiter les choses, de vivre un amour qui est plus léger, moins dans pas dans la conflictualité, mais moins dans des défis, dans des choses complexes. Vous avez envie de simplicité et de prendre votre temps dans une relation, de sortir du conflit. On a l'illusion, le oui, l'inconstance, la surprise, la crise et la consultante. Alors là, on a une personne qui se prend beaucoup la tête ou qui est très qui est dans une crise intérieure. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais quelqu'un qui... comment vous expliquer? Parce que c'est difficile de poser des mots sur ce que je ressens, mais quelqu'un qui vit une situation de crise. Quelqu'un qui a du mal à s'accomplir dans une situation et qui a envie de vivre des situations inattendues. Alors ça peut vous représenter. Ça peut être votre énergie. Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de sortir d'une situation de crise, concrètement, et d'être surpris par la vie. Et donc là, il y a peut-être des illusions qui sont mises en lumière. Peut-être que justement, on nous dit qu'il y a eu des non-dits ou des choses un petit peu instables que vous avez traversées et qui vous ont perturbé dans votre accomplissement, dans votre réalisation, et que vous souhaitez dire oui justement au renouveau, à de nouvelles propositions, à de nouvelles choses qui peuvent arriver à vous. Et surtout sortir de l'instabilité, puisque l'inconstance, elle ramène aussi à cette étape de haut et de bas au niveau affectif. Donc là, vraiment, laissez-vous surprendre par le renouveau et ne vous bloquez pas à des situations qui peuvent être trop stagnantes. Parce que j'ai le sentiment que vous avez envie de renouveau, vous n'avez pas envie de vivre quelque chose qui est trop stagnant ou trop routinier. Vous avez besoin de renouveau et donc de sortir des illusions du quotidien, je dirais, ou des choses qui peuvent vous perturber. C'est assez complexe dans ce que je ressens, donc j'essaie vraiment de mettre des mots sur tout ça. Et on a la surprise. Donc la surprise, ça peut être une proposition qui vient vers vous. Je vais juste recouvrir la carte parce que ça peut être une proposition. Vous allez avoir la clé d'une situation, déclaration de sentiment ici. Ah, on a la gestation et on a la montagne. Peut-être qu'il y a un désir de grossesse, mais qui est retardé, qui est bloqué. Mais on va avoir une déclaration de sentiment. Vous avez la clé d'une situation et on a la surprise. Donc pour moi, il peut y avoir une grossesse inattendue
qui a été bloquée, ou il peut y avoir un renouveau dans une relation qui a été retardée, qui a été bloquée. Vous étiez face à des blocages. Alors, je recouvre juste celle-ci pour finir. Vous voyez, il y a la concrétisation. Alors, il y a eu peut-être quelque chose dans une relation, justement. J'ai mis beaucoup de cartes, mais il y a eu peut-être une relation qui a été complexe. Vous vous êtes senti bloqué par rapport à un renouveau, justement. Et vous vous engagez dans une relation. Vous concrétisez une union, ici. Et peut-être que pour certaines personnes, ça peut être aussi un renouveau, ça peut être une grossesse, mais il y a quelque chose qui a été, en tout cas, retardé et qui a amené une situation de crise qui vous a beaucoup impacté, qui a été instable. Donc, vous avez eu l'impression de ne pas pouvoir vous projeter, de ne pas pouvoir vivre une situation sur du long terme. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de messages ici qui ressortent. Et on va voir aussi, les amis, avec les gardiens de la lumière. On va voir aussi quels sont les messages. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau général? Quel est le message pour vous? Oups, nous avons la Shekinah. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais on vous parle du soi sacré. Le soi sacré, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Et quand même, l'illustration est magnifique. On a cette colombe juste ici. Donc, l'illustration est vraiment magique. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit avec la Shekinah. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette énergie. Alors, ici, on vous dit « Ne vous sentez pas obligé de vous retenir ou de refroidir votre enthousiasme. Il est temps de célébrer. » Il flotte un sentiment de joie et de danse autour de vous en ce moment, car vous reconnaissez votre splendeur. Vous êtes un être sacré qui défie la gravité chaque jour simplement en étant vivant et en apportant au monde un sens de l'équilibre et de l'égalité. Donc ici, il y a certainement des situations qui vont être beaucoup plus ancrées. Le soi sacré, donc ça parle d'expansion, ça parle aussi d'ouverture. N'hésitez pas à exprimer les talents que vous avez, les dons que vous avez. Et justement, profitez de chaque moment. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici. On a le strict nécessaire, l'intégrité, et on a le rythme sacré de la vie. Donc profitez de l'instant présent. Ne vous projetez pas trop dans le futur ni trop dans le passé. Je sais que c'est compliqué à dire, à faire surtout. Plus facile à dire, mais à faire plus complexe. Donc n'hésitez pas à vivre chaque situation pleinement pour que vous soyez le plus aligné possible, le plus accompli possible. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime également et à vous abonner à la chaîne. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Et bien sûr je vous dis un grand merci.